Salut tout le monde, bienvenue sur cette partie commentée en match à mort par équipe sur la carte village. Je joue avec la M4A1 silencieuse qui est mon arme préférée. Je suis un joueur de fusil d'assaut et vraiment cette M4, même si c'est la première arme, je la trouve très polyvalente, très précise, surtout lorsque vous utilisez recul comme dans le cas présent. Et là, vous voyez que les frags commencent déjà à s'enchaîner vite. Hein. Je suis déjà à 3 frags dans les 20 premières secondes de la partie. Et là, j'ai fait un petit fail. Hein. Je voulais monter sur la plateforme, mais mon personnage semblait m'envoyer promener, me dire « Ah, j'ai pas envie ». Et finalement, j'ai contourné et c'est ça qui m'a permis d'avoir mon 4e frag, mon 5e à l'instant que vous avez vu. Et là, mon prédateur qui va faire un petit frag. Et là, vous voyez à quelle vitesse ça s'enchaîne. Je suis presque déjà à 7 et ça fait seulement 50 secondes que c'est commencé. Donc, voilà, la M4, comme je disais, qui est mon arme fétiche. J'adore cette arme, c'est vraiment... comme je le disais, polyvalente. Elle est ce que je trouve d'important, c'est que c'est pas une arme. Je dirais pas que c'est la moins bonne arme des fusils d'assaut, mais c'est une arme qui est quand même valorisante à utiliser, parce que à moins que les opinions des gens diffèrent, je ne crois pas que c'est une arme cheatée. C'est pas une arme surpuissante, c'est pas une type 95, c'est pas... Et c'est une des armes d'assaut avec le moins de dommages. Donc, faire des grosses parties avec cette arme-là, c'est valorisant et on se sent fier. Justement, cette partie-là va être très dure malgré le fait que je vais plus jouer avec d'autres armes que la M4A1 parce que je n'utilise pas pillard. Et personnellement, je trouve que pillard met des avantages trop, m'enlève trop de possibilités, la possibilité de recharger vite, la possibilité de courir plus longtemps, la possibilité de être aveugle des séries de victimes. Tout ça, je trouve que c'est plus avantageux que d'utiliser pillard. Parce que de toute façon, nos ennemis laissent des armes par terre. C'est sûr que quand on est dans une grosse série en fin de partie et que les ennemis ont seconde chance, c'est plus dangereux au point de vue rusher. Il faut être plus prudent. Mais vous allez voir, dans cette partie-là, je vais pas arrêter de rusher. Et, je regardais ma partie après, je la regarde encore une fois et je me disais à quel point j'étais stupide de ne pas d'avoir continué à rusher comme ça. J'aurais peut-être dû me calmer. Bon, je dis pas que j'aurais dû camper, mais j'aurais peut-être dû calmer mes ardeurs un peu et être plus prudent. Parce que vous allez voir dans une scène, dans quelques instants, je vais me retrouver face à deux ennemis. Ces deux ennemis-là vont avoir complètement l'avantage sur moi. Et je crois que je vais sortir un petit cadeau de mon sac pour me sauver la vie. Je vais faire un Père Noël avec moi-même avec quelques jours de retard, 5 jours de retard. Et comme vous voyez là, j'ai déjà obtenu un autre mitraillage d'hélico. Et là encore une fois, là ici, je passe énormément proche de mourir. Et lui qui m'a fait peur ici, qui était caché, très bien caché même, derrière la chute. Là, vous voyez, je prends encore une fois cette MP5 que j'ai beaucoup de difficultés à gérer. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis un gars de fusil d'assaut. Et les pistolets mitrailleurs, je ne sais pas pourquoi, je suis incapable de jouer avec dans ce jeu. Peut-être parce que, bon, on s'entend que c'est sûr que le pistolet mitrailleur de MW2, le fameux pistolet mitrailleur fétiche, l'UMP45, est très puissant dans MW2. Il est un peu moins puissant dans ce MW3-là, mais c'est définitif que dans MW2, c'était facile d'utilisation. Mais je parle, prenez le MP5K de MW2 plutôt. C'est une arme plus dure à utiliser que le UMP, etc. Donc, comme je vous le dis, les pistolets mitrailleurs, c'est pas mon fort. Faut dire que la MP7 dans ce jeu, je suis pas un mauvais joueur avec. Elle est assez polyvalente. Plusieurs personnes disent qu'elle est cheatée. Je donnerai pas mon opinion sur ce sujet. C'est clair que c'est une bonne arme, par exemple. Et là, vous voyez que j'étais pas très content. Mon coéquipier qui m'a bloqué le chemin en pleine série. Mais bon, on lui en voudra pas trop. Il était probablement pas au courant que j'étais en pleine série. Là, vous voyez que j'ai mon mitraillage d'hélico à l'instant. Et là, la série qui se continue. Je crois que je suis rendu avec les séries de victimes à presque 30. Donc, c'est assez spectaculaire en ce moment. Comme partie, ça va très très bien. Je vous dirais ma meilleure partie à vie sur Call of Duty. Même si j'en ai joué des bonnes parties, je vous dirais que celle-là, elle est spéciale pour cette raison. La
Moab qui m'a rendu très heureux. Et monsieur qui était viseur fixe, ben pas viseur fixe, mais était resté dans proche de notre spawn avec sa type 95 et qui aurait très facilement pu me tuer avant ma Moab. Voilà le triple à la Moab. Et maintenant, double XP est activé. C'est ça qui est dur de la Moab par rapport à la nucléaire. Premièrement, la nucléaire met fin à la partie. Elle est beaucoup plus puissante. Donc, ça, c'est une chose. Mais la Moab, premièrement, ne met pas fin à la partie. Donc, on peut continuer à fraguer après la Moab. Même si là, je vais moins fraguer qu'avant la Moab, dû au fait que j'étais très très content et mon cerveau n'était plus à la partie. Il était plus à il faut que je commande ce gameplay-là. Et vraiment, c'est pas facile d'avoir une Moab et j'en suis encore plus fier de ce fait. Pour ceux qui ne savent pas comment avoir une Moab, vous voyez que j'avais la classe assaut. J'ai utilisé mes séries d'assaut énormément dans la partie. Je les ai pratiquement tous utilisés. Tous et toutes utilisés mes séries. Donc, il y avait plusieurs frags. Je me suis dit au milieu de la partie, bah, je vais pas faire une Moab, voyons, c'est impossible. J'ai utilisé mes séries, j'aurai pas le temps, j'aurai pas assez de frags, etc. Je vais mourir avant, mais jamais je n'aurais pensé faire une Moab avec la malchance que vous voyez ici, avec la série d'assaut. C'est quelque chose que je crois que je peux être très fier. Et si vous le faites, je crois que vous pouvez vous permettre d'être fier. Alors, ça met fin à cette sublime partie, cette excellente partie que je vous offre. Alors, j'espère que vous avez apprécié le gameplay. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.